Et bien salut à tous les amis, c'est le simulateur Fortran, donc pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo sur Farming Simulator 2015. Donc pour le premier épisode, donc pour ce premier épisode on va faire la moisson. Donc on va faire plusieurs trucs à la fois. Donc on va mettre à moissonner, on va mettre à faire plein de trucs. On va faire voilà, on s'en fout, on est blindé dessous. Hop, on va faire F1. On va acheter parce que c'est la deuxième fois que je tourne, du coup c'est pour ça que je vais vite. Au moins on n'a pas le temps de niaiser comme on dit. Hop, on va prendre un 240 chevaux, j'avais pris. Hop, on va acheter. Oui, mince, ok, on s'est trompé, on va en acheter un autre. On va le laisser au magasin. Non. Garage, on va vendre celui-ci. Et encore, on le voit que c'est chargeur avant, pas chargeur avant. Bon, ça, on va le rapprocher du champ. Hop, on va prendre un chargeur avant. Juste après. Voilà, hop, on va prendre une presse. On va prendre la presse carrée. Ah voilà, donc j'ai téléchargé tout plateau des Joskins. Putain, j'arrivais pas à les mettre, donc du coup les mods ils se mettent là-dedans. Ils se mettent au même endroit. Donc normalement je dois avoir un John Deere aussi. On va aller vite fait regarder ça. Et je pense pour ramasser, du coup on prendra le TSCO que j'ai ajouté. Alors mode. Ah ben non, il n'y a pas le John Deere. Là, on va juste regarder vite fait si mon télescope s'est mis là. Voilà, donc un télescope Lizard. Voilà, bon, alors hop, on va prendre celui d'à côté. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'on n'a pas. Si on a le manuel attaché, de toute façon, sur la partie, on s'en fout. Voilà. Ah mince, j'ai switché. Donc on n'arrive toujours pas à configurer le comment ça s'appelle. Le joystick, c'est pour ça, donc on changera peut-être on fera plusieurs Ça va être assez compliqué, je pense. 9. On va mettre la carte. Parce que je connais pas la map parfaitement encore. Et ils sont où mes ouvriers? Donc ils sont là-bas. Donc allez, on va aller les presser là-bas. Donc ça faisait un petit moment, ouais, je fais beaucoup de live en ce moment, mais putain, je veux déjà vous remercier parce qu'on est déjà quand même 215 sur la chaîne bientôt. Je fais beaucoup de live et ce qui me fait qu'il y a pas mal d'abonnés qui s'abonnent aussi. Enfin, des nouveaux qui s'abonnent, quoi. En même pas 3 lives, on a gagné presque 50 abonnés. Donc c'est énorme. Sauf que je me suis bourré de route. On va retourner à droite. Il aurait fallu aller tout droit en fait. J'ai tellement l'habitude sur le live de faire ETA biogaz. J'ai des coups de lag à des moments. BGA champ et on passait par là. Même hier, on a voulu tourner la nouvelle carrière multi qui sortira après cette vidéo. Le lendemain ou après, je sais pas du tout. On verra ça. Donc voilà. Allez, je crois qu'il faut qu'on tourne à droite. Je connais pas du tout encore les maps. Ouais, c'est là à droite, à gauche, pardon. La map, je la connais pas du tout et je l'aime pas du tout non plus. J'ai envie qu'ils sortent une nouvelle map, mais sinon, les graphismes et tout sont super bien faits. Même rien que les bruits déjà des tracteurs, c'est vachement bien fait. Là, vous voyez dans la côte à Brou, il a du mal un peu. Donc
encore aller voir la texture de la bonne la paille. Je crois que ça a pas changé. Je n'ai pas. Si je n'ai fait un live, j'ai pas regardé la texture. Ouais, en fait, c'est ça a pas changé. C'est de la paille hachée, en fait, on dirait. Alors X. Bon, ça, le bruit, ils ont toujours pas changé. Hop, punaise, j'ai des coups de lag à des moments, c'est dérangeant un peu, même, on dirait. Pourtant, je suis à 60 fps à des moments et ça tombe à 40, 47. Est-ce que c'est les ouvriers après qui font laguer? J'ai donc une idée. Il n'y a pas beaucoup de rendement. C'est pas grave, de toute façon, on va pas tout faire les bots dans ce champ, je pense, parce que là, c'est le premier épisode, donc on va commencer les molos, après, on fera l'ensilage, prochain épisode. Donc voilà. Si on sort une dizaine de bottes, à peine 10 bottes là-dedans, ça sera déjà pas mal. On va enlever les gyros dans le champ. Et par contre, ce qu'ils font bien, voilà, ce qui est bien fait sur l'ouvrier, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'il prend large. Bon, après, dommage qu'il fasse pas les fourrières, c'est pas grave après. Ah, donc j'ai mis à semer du blé encore en haut. Au champ. Il est où? Oh, 12. J'ai remis à semer du blé. Parce qu'au moins, je le moissonnerai en solo. Sans filmer. Et puis, je mettrai à. Peut-être au prochain épisode, on remarquera qu'on sèmera le maïs. Ça serait pas mal, peut-être, ouais. On a sorti la première botte, on va sortir. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire aussi, je vais essayer de changer la texture des bottes. On m'a dit qu'on pouvait faire avec la console de jeu, mais il faut que je regarde dans les paramètres. Je sais pas qu'est-ce que c'est qu'il faut changer. Ça doit se changer dans les paramètres. On va chercher le souris. Et voilà. On va la vider, la moissonneuse. Hop. On va attendre là. On va le poser là, lui. Hop. On va attendre qu'elle avance un peu. Attends, on va remettre la musique. Mais je sais pas si vous allez l'entendre. Je reviendrai si on l'entend. C'est dommage des bruits du tracteur si on l'entend pas parce que. Comme je capture avec un autre truc de radio. Nickel, ça remplit bien. On va mettre un peu à l'arrière. Voilà, une belle capacité celle-là. La case, mais je trouve que c'est super bien qu'ils aient fait une moissonneuse comme celle-là et qu'ils aient sorti des 1455 parce que on va stocker l'ouvrier J est bloqué par un objet. Mais non, il est pas quand même bloqué, lui. Ah, mais ouais, il était bloqué par moi, en fait, ouais. D'accord. Pas de problème. Ça te fait plaisir. Ça me dit que je peux... Ah ouais, c'est vrai que ça a changé. CTRL-I. Ou c'est I. Ouais, c'est I. Ouais, ça a vachement changé. Avec Farming... Ah, ben celle-là, elle vide toute seule. Et redescend toute seule. Bon, ben d'accord. Hop, on va la poser là. Allez, on reprend à presser.
Peut-être vous entendrez un fond de musique, mais peut-être, sinon ce qu'on peut faire, on peut... Donc, et bien heureux, désolé les amis, j'ai été dérangé par ma mère, désolé. Donc du coup, j'ai monté un petit peu les sons des véhicules. Peut-être ce serait un petit peu fort, on va quand même le baisser un peu. Voilà, on va le laisser comme ça en fait. Donc voilà, j'ai été dérangé, désolé. Si à un moment ça coupe bizarrement... Relance le jeu. Donc si je veux parler des moments, c'est avec mon cousin, désolé. Alors attendez. Hop. Je vais jouer à un truc en alt échappe, les amis. Voilà. Donc désolé. J'ai repris. Voilà. Donc voilà, donc ça va, ça, on va, j'espère que cette carrière va durer un peu plus longtemps que celle que j'ai fait sur FS15. J'étais un peu moins motivé parce que FS15 commençait à me prendre la tête un peu. Je faisais des vidéos parce que les vidéos vraiment c'est ma passion après. Voilà. Mais après là voilà, j'aime bien faire bientôt vidéo montage les amis. J'ai l'envie de la faire là, à faire un bon rendu. Un des meilleurs rendus, je vais essayer avec Vegas Pro. Les meilleurs rendus que je faisais avant sur FS15, j'essaye de faire les meilleurs rendus. C'est une femme qui conduit, voilà. C'est pas mal ça aussi qu'ils aient mis une femme ou un homme. Et même c'est bien qu'ils aient mis les radios parce que quand on n'a pas envie de mettre la musique, on a marre d'écouter tout le temps la même. Voilà, on écoute ça et franchement, en plus ils sortent des bonnes musiques, je trouve moi. Des musiques d'aujourd'hui, comme on écoute sur Fun Radio ou etc. Energy, Skyrock, quoi. Ils sortent des bonnes radios. Bon, moi j'écoute sans Hit Radio, j'aime bien. Ils passent des bonnes choses, je trouve. Donc ce qu'on va faire, on va arrêter de presser au fond là et on va essayer de. Je vais essayer de vous montrer un peu le maximum de choses. Des ramassages, des bottes, des 3 trucs que vous allez voir. Je vais vous montrer. Et aussi ce qu'on a des problèmes aussi en multi, c'est les. Bon pour l'instant on va pas faire de roleplay. On est dans l'intention avec la team, ils sont tous chauds, tous ceux de ma team ils sont chauds, on a pris en plus un bon serveur, donc pensez recruter des gens. Et ceux de ma team ils sont tous chauds, bon on a eu des problèmes avec pas mal de monde dans la team là et des autres teams. Mais bon, on va. J'ai baissé trop vite. Voilà. Donc, hop, on va prendre le fait là-bas. Démonte. Alors, voilà, c'est ça pour assembler les 3 bottes. C'est vraiment pas mal ça. Voilà, hop. Mince, hop. Je voulais prendre un autre acteur, je vais vendre celui-là, je vais essayer de vendre le bon. Tiens, je sais pas lequel c'est en fait celui-là. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là quand même. Paiement de salaire, bon, on s'en fout, de toute façon, si on veut cheater. Donc voilà, allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne cette machine, si je me rappelle bien d'avoir vu, je crois que c'est dans un live. Donc voilà. Hop, pardon, désolé si j'ai passé par là. Ah putain, j'ai tellement l'habitude de vouloir aller à cette ferme aussi. On va rattraper la bonne route. Les feintes, je les aime bien, je suis pas fan des feintes. Sur FS15, c'était à peu près les mêmes, mais là, franchement, ceux-là, je les aime bien niveau bruit et tout. Donc voilà. Donc donc si vous m'entendez parler des moments bas, c'est que je parle avec mon cousin, c'est rien. Donc voilà, j'espère que j'ai pas loupé un train, parce que j'y parle à des moments très bas.
Donc peut-être vous allez entendre des mains se basse, ne croyez. Voilà. Donc je sais pas il y a combien de temps que je rec, désolé, j'ai pas mis de chrono, même si elle dure 25 minutes, c'est pas grave. Je la mettrai à UPod de nuit, c'est pas, y a pas de problème pour ça. Même, j'aime pas trop faire des vidéos longues, je sais pas si vous avez vu, c'est pas niveau UPod, ça UPod, je m'en fous parce que je les UPod de nuit et je les sors de jour. Parce qu'au moins, voilà. Parce qu'en fait, j'aime pas parce qu'il y en a des fois, ils regardent que le début. Et s'ils voient que le début c'est ennuyeux et tout, eh ben, ils disent, bon, ben, c'est bon, ça va être de la merde, je quitte la vidéo. Ben, c'est que voilà, non. Après, alors, voilà, on la déplie comme celle-là. Ceci, et on doit passer correctement. Parce que si elle de travers, voilà, elle se prend pas. Il faut qu'elle soit vraiment bien droite. Ça, c'est ce qui est de, bien fait. Est-ce qu'après, il faut pas mettre, régler, vitesse, on s'en fout. B, position de transport. A, détaché. 3, activer le... Ouais, on s'en fout. Et bon. Voilà. Donc, comme je disais, il faut bien être droit. Voilà, c'est bien ça. Non, voilà. Et puis pour décharger, c'est quoi? On va faire des... On va faire des tas par ici. Parce que ouais, en plus, comme il n'y a pas le... je rajouterai le mode aussi pour les balles. Donc Y, décharger les balles. X, annuler le déchargement. E, sortir. Non, c'est pas ça. Y, détacher les balles. Donc voilà. Tout se joue avec... voilà. Non mais ça va. Donc voilà. Donc déjà ça sera un truc que je vous aurais montré déjà en plus. On va aller vider la benne. Hop. Voilà, vraiment là il est comme là cette musique là. Des musiques comme ça j'aime bien voilà. Mince, pourquoi j'ai switché? Hop, on va rester comme ça. Bien droit. Donc hop, on va le laisser là, lui. On va prendre ça après. Bon ben on va attendre qu'ils finissent de moissonner et puis voilà. Donc non même je pense que je vais arrêter maintenant. Donc voilà donc pour le prochain épisode donc les bots seront pas rangés, seront toujours au même endroit. Juste j'en aurais fait un peu plus. Donc voilà. Donc sur ce les amis j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à passer sur les réseaux sociaux comme Facebook, les pages, la page de la team, les chaînes de la description. Ça leur fera plaisir. Donc voilà. Donc sur ce